On est le mardi 23 août, journée un peu spéciale puisque demain, Florian et moi partons en vacances. Donc je vais en profiter pour vous expliquer eh bien, comment ça se passe puisqu'on doit tout préparer pour alléger au plus, au maximum le travail pour ceux qui restent. On doit également ramener les boucs et puis là on va sortir les chèvres. Donc on va en profiter pour vous montrer tout ça, c'est parti! On tombait dessus. Ah bah oui, mais je vous ai vu, oui. On y va. Allez, filles, on y va, les dernières, là. Oh, une truffe. Oh, deux truffes. Alors. Hop. Au taquet les filles, hein. Oh, il y a un petit chien là. Merci. Attention, plein lion. Doucement. Du coup, les chevaux, exceptionnellement, ils restent dehors 5 jours, même la nuit, alors que la nuit, je l'ai rentré à cause des chevaux, des loups. Du coup, ça m'arrange pas, mais j'ai pas le choix. Elles ont des parcelles d'herbe, donc ce qui leur permettra de tenir largement 4-5 jours. Je les ai parés, je n'en peux plus. Et exceptionnellement, quand on part, je leur laisse le licol, alors qu'elles n'ont jamais de licol au pré. Et là, il y a mes coordonnées et mon numéro, au cas où, on sait jamais, si un cerf pète la clôture, et elles seront dehors. Donc, que quelqu'un puisse les récupérer et me dire où ils sont pour que quelqu'un puisse les ramasser. N'est-ce pas? Oui, ça gratte. Tout propre.
Oui. Donc comme on part en vacances, il faut absolument vérifier au maximum toutes les clôtures pour anticiper une éventuelle évasion. Non, ou rentrée d'animaux. Non, il faut absolument que les clôtures soient nickel. Et là, elles sont pas nickel, je vous montre. C'est la clôture des cochons et il y a 4 fils, mais l'herbe a un peu poussé, je vous montre. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc on va faire le tour. Il est en contre-jour. Chouchou bilou. Donc ça y est, c'est bon, on a mis les boucs là où il y a les chèvres. On les avait séparés en fait dans le but que ne se voyant pas chèvres et boucs, les chaleurs soient plus efficaces. Voilà, qu'elles soient plus rapprochées, qu'on ait de la reproduction de façon plus rapprochée, parce que moi les mises basses s'éternisent un peu, donc on a voulu essayer ça cette année. Donc on les a mis ensemble, on ira chercher les chèvres ce soir, puisque la reproduction des chèvres, elle est naturelle et elle a lieu en septembre, quand les jours raccourcissent, la luminosité diminue et en fait tout le monde se met en chaleur. Donc là les boucs ils commencent déjà à être chauds. Généralement moi j'ai repro vers le 15 septembre, par là. Alors on va parler comment faire pour qu'un agriculteur puisse aller en vacances. En fait, dans votre entreprise, vous êtes pour la plupart d'entre vous salariés, donc vous avez droit à un certain nombre de semaines de vacances. Nous, ça fonctionne pas comme ça, puisqu'on est, chef d'exploitation. Donc si on prend des vacances, c'est si on peut, déjà. Il faut savoir que donc, parlons des agriculteurs qui ont que des vignes ou des arbres fruitiers ou des céréales, enfin des cultures, pas d'animaux. Il vous faut trouver un créneau où vous ne semez pas, vous ne faites pas de traitement, vous ne récoltez pas. Et en dehors de ce créneau, vous pouvez vous dégager un moment pour partir en vacances. Quand vous êtes éleveur, donc que vous avez des animaux, bien évidemment, il faut qu'il y ait un remplaçant puisque vous ne pouvez pas laisser les animaux tout seuls. Donc quand vous êtes une entreprise à plusieurs, eh bien vous pouvez tourner entre les associés puisque vous vous arrangez, vous dites ah bah toi tu prends telle semaine et je te remplacerai et toi telle semaine. Moi je travaille avec mon homme, donc bien évidemment si je pars en vacances c'est avec lui, donc c'est compliqué. Vous avez une autre solution qui s'appelle le service de remplacement. Ce sont des personnes qui travaillent au service de remplacement, qui sont formées pour travailler en exploitation agricole, que ce soit cochon, vache, brebis, chèvre, et lait ou viande. Et en fait, nous, on fait appel de temps en temps à eux. Ils sont formés pour traire, ils savent traire, ils sont formés pour donner à manger, et ils sont formés pour faire les fromages. Bien évidemment, ils font le minimum syndical, c'est-à-dire qu'ils traient, ils font les fromages, mais ils travaillent que 7 heures par jour, donc ils vont pas vous sortir les chèvres au pré, ils vont pas aller au marché, ils vont pas vendre, et dans notre département, ils veulent pas trop utiliser les tracteurs, donc par exemple, il va pas pouvoir aller mener l'eau aux vaches, donc il y a un couac. Donc ça nous aide énormément, mais il faut savoir que donc ils travaillent 7 heures par jour, et moi, l'exploitation, pour le payer, je dois verser 150 euros par jour. Somme énorme. Hein. Alors les personnes qui travaillent dans cette entreprise sont au SMIC, hein, au service de remplacement, je crois. Mais le truc c'est que c'est pareil, il y a les assurances derrière, voilà. Donc c'est 150 euros qu'on doit sortir par jour. Donc vous comprenez bien que si je pars une semaine en vacances, bah en gros vous payez deux fois quoi. Vous payez une semaine de location et une semaine de service de remplacement. Et sachant que du coup il peut pas tout gérer puisque il gère pas
ils gèrent généralement pas les tracteurs, à moins de leur demander, je sais pas. Donc il faut quelqu'un sur place qui puisse amener l'eau aux vaches, dans notre cas. Dans notre cas. Du coup, vous imaginez bien que c'est compliqué, hein. Nous on gagne 1000 euros par mois, donc je peux pas non plus partir en vacances comme ça tous les 4 matins, hein. Là où j'ai le moins de boulot, ce serait l'hiver, donc ce serait sympa de partir là où j'ai le moins de boulot, mais malheureusement, je vais pas profiter de la piscine. Hein. Donc on essaye de partir à la fin de l'été, qui est quand même là où j'ai le moins de travail. Ça m'enchante pas du tout, dans le sens où il y a les loups qui sont de retour dans notre secteur, et je suis obligée de laisser les chevaux dehors, les vaches sont dehors, et si je suis pas là, c'est... Enfin, j'ai pas envie de venir revenir en... Enfin, que je sois là ou pas, finalement, ça changera rien, mais ce sera... Je préférerais être sur place en cas d'attaque. On va pas partir longtemps. Donc, qu'est-ce qui se passe? On part demain, mercredi, et on rentre dimanche. Et on va où? Eh ben, c'est pas compliqué, hein, on va pas faire très exotique, on va chez mes parents. Voilà, en Bourgogne. Et qu'est-ce que fait un agriculteur en vacances? Eh ben, nous, personnellement, rien. C'est-à-dire que... On déconnecte, on lit, on joue à la belote, je vais voir mes amis, on va dans un parc d'attractions une journée qui est Nigloland pour ceux qui connaissent, et on ne fait rien, pas de randonnée, pas de musée, pas de ce que vous voulez, rien, voilà. Et donc on n'a pas pris le service de remplacement cette année, après les années à venir je pense qu'on le prendra, donc ce sera les parents de Florian qui vont gérer tout le monde. Donc on a tout préparé, on a tout vérifié, la clôture des chèvres c'est bon, les clôtures des cochons c'est bon, la clôture des chevaux c'est bon, la clôture des vaches c'est bon, l'eau c'est bon partout, sauf que les vaches il faudra leur redonner dans 3 jours je pense. J'ai oublié de vous dire qu'il a plu 40 mm d'eau, la semaine passée, donc ça, on peut pas refaire de coupe de luzerne, hein. Par contre ça a tout reverdi partout, c'est génial. L'herbe elle a pas repoussé non plus comme du gazon, mais ça permettra de finir l'année sans trop... Enfin, je pense que ça va le faire. On va essayer de remettre les chèvres... On va essayer de les parquer dans la luzerne en revenant. Enfin, on verra comment on fait. Et ce que je vous ai pas dit... Pomme, viens, viens voir, viens. Ce que je vous ai pas dit, c'est que Pomme aussi, elle part en vacances. Puisqu'elle est très craintive et elle s'entend pas avec les parents de Florian. Donc, elle vient en vacances en Bourgogne avec nous. Oui, Pomme, oui. Oui, tu viens avec nous, oui. Et puis, on a 5 heures de route, mais ça la dérange pas, elle est déjà venue et ça ne la perturbe pas, donc on l'amène avec nous. Petit fruit. Écoute, hein. Bon, allez, nous, on est partis. Et puis, écoutez, eh bien, bonnes vacances à tous ceux qui peuvent partir en vacances ou qui peuvent pas. Bonnes vacances à tout le monde.